Oh, d'ici je vous vois bien. Vous savez quoi? Vous êtes beau. Et belle. Mais oui, madame la ministre, c'est pour vous aussi. Vous êtes belle. Pourriez-vous dire avec un titre pareil l'élégance, l'éphémère? On va se farcir une conférence en bonne et due forme. Rassurez-vous, j'en serai pas capable. Et de toute façon, à mes yeux, c'est une lapalissade, mais précieuse. Pourquoi? Mais parce que, si je ne m'abuse, tous les arts reconnus laissent des traces. La peinture, la sculpture, la littérature, la musique. Mais l'art dramatique ne laisse aucune trace tangible. C'est maintenant ou jamais, puis c'est fini. Chacun de ces artistes, hommes, femmes, artisans du spectacle, tout le monde, du petit monde du spectacle, donne tout en même temps, à l'instant, le temps d'une représentation. Le partenaire public est là, le partenaire comédien est de l'autre côté, l'auteur est au-dessus. Hein, qui, disons d'un jeune artiste aujourd'hui, plein de talent, pourrait dire encore, ou connaissez encore, qui est Jacques Haussmann, Claude Etienne, Roger Domani, Jean-Pierre Ré. Et pourtant, si, après la guerre, tous ces animateurs n'avaient pas mis beaucoup d'énergie, de talent et de ténacité, il n'y aurait pas eu ce théâtre structuré de la Belgique francophone. Et aujourd'hui, il n'y aurait pas le théâtre sans eux. Hier, ils l'ont fait. Aujourd'hui, à vous de le faire. Et demain, les autres hériteront de ce que vous faites aujourd'hui. Qui sait encore que André Berger, Louis Boxus, Maurice Vaneau étaient de très grands metteurs en scène? La transmission. Pendant une génération, on sait vaguement qui on a affaire. Et puis ça passe dans l'oubli. Et c'est très bien. L'élégance de l'éphémère. Alors, la démangeaison théâtrale est venue, hein, me chatouiller. Et bien sûr, je me suis inscrit à l'Académie de Saint-Josse. Et notre professeur était M. Paul Riga. Passionnant et passionné, très exigeant. Malheureusement, à 15-16 ans, on ne comprenait pas un mot de ce que je disais. Et on m'a raconté après qu'au concours de la fin d'année, le jury, car il y avait un jury, a été perplexe et dit « qu'est-ce qu'on fait ?» Quand même lui donner 50 sur 100 de façon « on ne prend pas de risque, il ne fera jamais la profession. » Eh bien, la vie est telle que Stéphane Steyman, vous savez, le grand humoriste, et moi, nous sommes les seuls escapés de la place. Henri Roland, sociétaire du Français, m'a dit « donnez-moi quelque chose ?» Oui, je vais vous présenter le monologue de Scapin avec Argante au deuxième acte. De quoi parlez-vous là? À quoi vous résolvez-vous, etc. Il m'écoute. Il me dit, qu'est-ce que vous voulez me prouver? Vous avez du talent? Ça ne m'intéresse pas. Que vous avez de... disons, une certaine manière de donner des intonations différentes? Ça ne m'intéresse pas. La situation, Scapin essaye d'étourdir Argante de mots et de mots et de mots et de mots et de n'importe quoi pour en faire sa chose. Le reste, c'est la plus grande leçon de théâtre que j'ai reçue. Elle a duré 5 minutes, mais je vous assure que 60 ans après, je m'en souviens encore. Et figurez-vous qu'à l'époque, quand on sortait du conservatoire de Bruxelles, le directeur du parc, le délicieux monsieur Oscar le Jeune, offrait au lauréat un engagement à l'année. Je suis allé voir du côté du rideau, Claude Etienne m'a ouvert la porte. Le bonheur. N'ai pas peur de le dire, c'est mon père dans le métier. Mon papa. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire. Vous êtes encore tout frais, tout... Happy birthday to you.
Bonne année.